Salut tout le monde et bienvenue pour la seconde partie des Maîtres de l'Univers consacrée cette fois-ci aux produits dérivés. Et on commence tout de suite par les comics. Alors l'histoire des comics autour des Maîtres de l'Univers est assez dense, et c'est pour notre plus grand plaisir. Comme vous le savez, elle débute avec les mini-comics créés spécialement pour être vendus avec les figurines. Il en existe plusieurs séries pour accompagner la gamme originale ou encore She-Ra. Dans la première vague, l'histoire se cherche encore, hein. Musclor est un barbare errant qui n'a pas de double identité. En effet, Adam n'arrive qu'avec les vrais comics et la série animée. Il rencontre la déesse, qui tenait le rôle de la sorcière, avec un design forcément différent. Elle lui offre des objets magiques. Il trouve une moitié d'épée en construisant sa maison à coups de poing dans le rocher le plus dur de la planète. Et il devient un employé du BTP. Non, je plaisante, en fait il va affronter Skeletor, détenteur de la seconde épée. Le dessin est assuré par Alfredo Alcala, qui a beaucoup travaillé sur Conan et Swamp Thing. La deuxième vague de mini-comics est assurée par DC Comics. Et c'est Mark Texera, très connu dans le monde des comics, qui est aux commandes. L'histoire est basée sur les origines des personnages de la seconde vague, notamment Man-E-Face, et on y apprend que Tila est un clone de la déesse réalisée par Skeletor. La troisième vague remet les pendules à l'heure, puisque le prince Adam est introduit avec toute la magie qu'il y a autour, et on retrouve les personnages principaux de la série. Et c'est la sorcière qui donne l'épée de puissance à notre héros. La quatrième vague met en scène la Horde qui vit sur la planète Deteria, la planète de She-Ra. On retrouve bien évidemment Hordak, adversaire de Musclor, mais aussi et surtout de She-Ra. Bruce Timm assure les dessins d'une partie des mini-comics. Et puis dans les dernières vagues vont apparaître les hommes serpents qui s'allient à Skeletor. On aura le droit aussi à une partie consacrée au film live. Et puis enfin, on en apprendra un peu plus sur les origines du pouvoir, puisqu'on va retrouver les anciens et Musclor voyagera dans le temps à l'époque de Preternia, époque du fameux personnage Hero dont je vous parle dans la première partie. Mais comme la franchise s'arrête, cette histoire restera sans suite et Hero ne verra pas le jour en figurine. Bien évidemment, She-Ra aura le droit aussi à ses mini-comics pour présenter l'univers d'Eteria et des personnages qui le composent selon le même modèle que son frère. Mais Musclor fera également son apparition dans les journaux au travers de comic strips et des histoires s'étalant sur plusieurs semaines. L'une d'elles est intéressante puisqu'elle fait d'ailleurs le lien entre la série originale et la série de 1990 où ne subsistent que Musclor et Skeletor. Quant aux vrais comics, c'est-à-dire ceux qui s'achetaient dans le commerce, il en existe un petit paquet. Tout commence avec DC Comics en 1982 et l'histoire From Eternia with Death, en référence au livre de Ian Fleming, le papa de James Bond, From Russia with Love. Et bien dans ce premier comics, DC ne fait pas les choses à moitié puisqu'il décide carrément de projeter Superman dans le monde d'Eternia et il se retrouve contrôlé par Skeletor afin d'affronter Musclor. Cette première série est intéressante à plusieurs égards au-delà de l'affrontement Superman-Musclor. C'est par exemple la première apparition d'Adam qui n'existe pas encore dans les mini-comics. C'est aussi la première apparition de Kringer. Et d'ailleurs, c'est la mère d'Adam qui lui a raconté les exploits de Superman sur Terre. Cette première histoire sera accompagnée d'autres petits arcs narratifs toujours chez DC Comics avant que le flambeau ne soit repris par Marvel dans la deuxième partie des années 80 avec quelques histoires sous le label Star Comics. Il faut savoir que Marvel adapte également en comics le film de 1987. Et puis Musclor suit la gamme de jouets et va disparaître un peu du monde des comics durant les années 90, avant de renaître avec la nouvelle série du début des années 2000, et c'est Image Comics qui s'y colle cette fois-ci. Mais cela s'arrête très vite en même temps que le dessin animé et la gamme de jouets. En 2012, les Maîtres de l'Univers retournent chez DC et on aura le droit à une grosse production de comics, des one-shots sur les origines de certains personnages, des arcs narratifs dans l'univers de Musclor et des crossovers avec l'univers DC. C'est à ce moment-là que le prince Adam rencontrera Superman une nouvelle fois au travers de l'arc narratif New 52 qui redémarre l'univers DC en 2011. À cette occasion sortira DC Universe versus Masters of the Universe en 2013. Dans cette histoire, Musclor et ses potes sont confrontés à Hordak qui a conquis le Château des Ombres. Sur Terre, on apprend que Skeletor est en approche. Il rencontre Black Alice et il veut s'en servir pour siphonner la magie du monde pour retourner sur Eternia. Bon, par la magie du scénario, Musclor va ensuite se retrouver sur Terre et se battre contre la Ligue de Justice contrôlée par Skeletor. Il en profite pour planter son épée dans la poitrine de l'homme d'acier. C'est le bordel, les héros s'affrontent les uns les autres, puis Superman revient encore une fois, et tout ce joli petit monde botte les fesses des méchants. En 2016, on a eu le droit à 15 numéros appelés The Eternity War, grosse aventure qui a fait l'objet d'une réédition en livre omnibus de 1400 pages. Dans la foulée, on aura le droit aussi à plein d'autres histoires, citons par exemple le crossover Musclor, Thundercats, Cosmocats, entre 2016 et 2017. En 2018, DC Comics sort une mini-série intitulée Injustice vs Masters of the Universe. C'est un crossover se déroulant dans une version alternative d'Injustice. Vous savez, hein,
l'arc narratif où Superman a complètement déraillé suite au décès de Lois Lane et qui est tiré du jeu éponyme. Et bien dans ce comics, Musclor est recruté pour vaincre Superman. Darkseid, quant à lui, s'allie à Evil Lyn. En 2019, une mini-série voit le jour avec l'arc anti-Eternia qui menace le multivers avec l'apparition d'Imen alternatif qui s'allie pour sauver justement le multivers. C'est la dernière série publiée par DC Comics, et pour les plus passionnés d'entre vous, vous allez sans doute vous dire « Ah bah tiens, cette histoire d'anti quelque chose, ça me fait fortement repenser à Crisis on Infinite Earth et l'anti-Monitor. » Il n'y a pas de hasard. C'est l'éditeur Dark Horse Comics qui reprend la suite avec une préquelle de la série Netflix Masters of the Universe Révélation en 4 parties avec Kevin Smith en showrunner, et Tim Sheridan au scénario. Cette préquelle est intéressante surtout pour ceux qui sont un peu déçus du traitement de Musclor et Skeletor dans le dessin animé, mais j'y reviendrai. Alors ce n'est pas la première fois que Dark Horse travaille sur Masters of the Universe. Hein. La maison d'édition avait produit les mini-comics accompagnant la ligne de jouets du début des années 2010, avant la reprise par DC. Elle a aussi publié pas mal de livres autour de l'univers de He-Man, des guides, des encyclopédies. C'est Dark Horse qui publie par exemple l'encyclopédie sur les jouets dont je vous parle en première partie. Cette maison d'édition est aussi à l'origine d'un autre ouvrage que je vous conseille et qui m'a servi pour cette rétro, en l'occurrence celui-ci, Tout l'art des maîtres de l'univers. Il est disponible en français et il est très très bien fourni. Au-delà des comics, Masters of the Universe a eu le droit à des jeux vidéo. Mais bizarrement, ils ne sont pas très nombreux. Pourtant, l'univers, la thématique, permet une grande variété de jeux vidéo. Hein. Alors très sincèrement, je n'y ai pas joué, et je me garderai de tout avis critique trop appuyé. Je vous les présente simplement dans l'ordre chronologique, et cela n'a pas été simple de les retrouver. J'en ai d'ailleurs sans doute oublié. En 1983 sort le premier jeu, Masters of the Universe, The Power of He-Man, par Mattel Electronics sur Intellivision et sur Atari 2600. Il mélange phase à pied et sur le Wind Rider de Musclor avec une approche shoot them up. Pour l'époque, c'est très correct, les sprites sont très reconnaissables et ça vaut largement les merdes qui vont sortir après. Un jeu assez reconnu pour sa qualité. En 1986, sort Masters of the Universe, The Super Adventure, qui est en fait une sorte de RPG textuel sur plusieurs plateformes comme l'Amstrad ou Commodore. Bon, en ce qui me concerne, moi c'est pas vraiment le genre de jeu qui m'emballait à l'époque, mais sans doute parce que je suis une quiche en anglais. L'année suivante, on a le droit à un jeu plus orienté arcade, multi-support, qui s'appelle d'ailleurs Master of the Universe, The Arcade Game. Il est aussi connu sous le nom Healer's Stone sur Commodore. C'est une sorte de jeu de combat de plateforme avec, semble-t-il, une gestion du bouclier de la santé. Il est considéré comme très difficile et plutôt correct pour un jeu de l'époque, de ce que j'en ai compris, et c'est assez fidèle graphiquement. Et on a même le droit à la musique remixée. Le film live, lui, a eu le droit à son jeu dérivé également sur plusieurs plateformes en 1987. C'est une vue de dessus, mais aussi de profil. Il suit l'histoire assez fidèlement et on retrouve tous les personnages comme Blade ou le super Skeletor doré. Là où c'est complètement con, ce sont les passages où vous êtes en vue de dessus et que vous changez d'écran. Il n'y a aucune continuité, c'est n'importe quoi. Mais bon, le film était aussi n'importe quoi, alors on n'est plus à ça près. Comme pour le reste, on n'a rien pendant les années 90, et on retrouve en 2002 notre Musclor dans He-Man Power of Grayskull, un jeu TDK sur Game Boy Advance, voilà, original comme support. En vue 3D isométrique, c'est une sorte de jeu de combat qui a été très mal accueilli à cause de sa gestion des collisions toute pourrie. En 2005 débarque He-Man Defender of Grayskull, jeu PlayStation 2, mais qui me semble être sorti aussi sur GameCube, et dont le design est assez proche du remake animé. C'est un jeu de combat qui reste très très moche avec une 3D très vilaine, et c'est réalisé par Midas qui visiblement n'avait pas de l'or entre ses mains. En 2012 débarque He-Man The Most Powerful Game in the World par Shingo sur smartphone, qui est en fait un jeu parodique mettant en scène Musclor en vue de profil mêlant combat et plateforme. C'est plutôt joli d'un point de vue graphique, mais le jeu a hélas reçu de très mauvaises critiques quant à son gameplay basé sur les mouvements tactiles plutôt que sur l'utilisation de boutons virtuels sur votre téléphone. Du coup, cela rend l'expérience plutôt pénible alors que cela aurait pu être un jeu vraiment sympa. L'année suivante sort un jeu mettant en scène Musclor, She-Ra et même Starlion. Et oui, petit crossover, sans doute qui fait écho aux comics, hein. En l'occurrence, c'est un jeu de combat, encore avec un design 2D super fidèle au dessin animé d'origine. On peut même monter Kringer.
C'est sans doute le jeu le plus abouti de la franchise, avec les musiques d'origine, une très très belle réalisation. Mais, car il y a un mais, évidemment, hein, sinon c'était trop beau, bah c'est pas un jeu officiel en fait, il a été créé par un fan, et franchement, félicitons-le. Je mettrai le lien dans la description si vous êtes intéressé. Sinon en 2015, dans le jeu Toy Soldier, Musclor fait également son apparition en tant que jouet jouable. Voilà, c'est rigolo. A priori, on a aussi eu le droit, mais je suis passé complètement à côté, d'une application Android iOS en 2016, qui avait l'air d'être rigolote, mais elle a été très très vite retirée. Il fallait taper vite sur son écran. Et puis ensuite, on a eu... on n'a rien eu, en fait. Après, c'est tout, voilà. Merci, au revoir. Non, sérieusement, Musclor, en fait, est vraiment très mal représenté dans le monde vidéoludique, hein. Et je suis désolé, j'en ai pas trouvé d'autres. C'est dommage, hein, parce que franchement, il y avait matière à faire de très très belles choses avec tout l'univers qu'il compose et l'ensemble de ses personnages colorés. Mais bon. Alors attention tout de même, j'ai vu traîner un jeu He-Man and the Master of the Universe sur NES qu'on peut acheter sur les plateformes de commerce en ligne ou d'enchères. C'est non officiel. C'est un jeu hack tiré d'un autre jeu où les sprites ont été remplacés par les héros de Masters of the Universe. Faut le savoir, c'est pas une création d'un fan complètement nouvelle, c'est vraiment un jeu qui a été repris, on remplace les sprites et paf, on en fait un autre jeu. Du côté des autres produits dérivés, on avait quand même de quoi faire dans les années 80, on a eu le droit à de très belles choses ailleurs, comme des posters magnifiques ou des trucs un peu plus kitsch comme les célèbres pots de moutarde. Et plus récemment, on a eu le droit à des choses un peu plus intéressantes, et notamment des statues, dont des bustes taille réelle. Alors chacun se fera sa propre opinion, je vous les présente, même si personnellement, j'accroche pas trop. Mais il n'y a pas eu seulement des bustes, hein. On a quelques beaux produits de la part de divers studios, et notamment celle d'Iron Studio. Et si vous préférez les figurines articulées à plus grande échelle, sachez qu'une très belle œuvre de Mondo est en précommande un peu partout. Mais Mattel s'essaye aussi au jeu de la construction via sa filiale achetée en 2014, Mega Brand. Vous savez, les méga trucs qui ressemblent un peu au Lego. Eh bien en fait, sous le label Mega Constructs, la société propose le Château des Ombres et la Montagne du Serpent, avec tout un tas de mini-figurines et d'autres sets plus petits. Il y en a même un qui reprend le jouet de 1980 avec le slime. Et on a le droit à un Musclor tout vert. C'est franchement bien, mais bon, comme moi je suis un gros fan de Lego, et seulement de Lego, hélas, je passerai mon tour. Mais Master of the Universe, c'est aussi des jeux de plateau, et quand j'étais petit, j'avais le pouvoir avec un jeu que j'ai toujours et que j'adore, le Défi de Musclor, sorti en 1984 et édité par Nathan. Il est décomposé en plusieurs parties, on commence sur les plaines d'Eternia, on arrive à la fosse qui entoure le Château des Ombres, et ensuite, on s'introduit dans le château pour affronter Skeletor assis sur son trône. Et je dois bien avouer que c'est à cause de ce jeu que j'ai cru, pendant longtemps, que le Château des Ombres était le château de Skeletor. J'avais rien compris. Bon, en même temps, j'avais 6 ans, hein, je suis excusable quand même. Le jeu et les mécaniques sont plutôt sympathiques, on a une gestion du matériel et des combats qui peuvent être gérés au dé. Cela en fait un ensemble ludique que j'ai beaucoup aimé et j'y ai passé des heures. Mais évidemment, c'est pas le seul jeu de plateau et on a eu le droit aussi à des jeux beaucoup plus élaborés par la suite, dont deux sont sortis très récemment. D'abord, Masters of the Universe Battleground, qui est un jeu stratégique de figurines. Bien sûr, comme tous les jeux de ce genre, les figurines doivent être peintes au préalable. Elles sont en plastique et très bien réalisées, mais nécessitent un peu de doigté pour avoir quelque chose de propre. Il y a un starter de base avec des extensions, là aussi c'est assez classique. Les héros s'affrontent par groupe de 4 et il faut faire le plus de points possible en 4 tours de jeu. Selon les échos des testeurs et aficionados, c'est plutôt pas mal, simple à appréhender, mais bon à jouer. Le matériel est dense, les pouvoirs des personnages intéressants et variés, si vous êtes fan de HeroQuest et Musclor, foncez. Il existe aussi un autre jeu de stratégie mettant en scène des petites figurines avec un plateau représentant la map d'Eternia. Il s'appelle Masters of the Universe, Fields of Eternia, The Board Game. Il y a également un starter et des extensions possibles, ils ont même pensé à faire un Château des Ombres, utilisé pour lancer les dés, haut de 20 cm. Bon, il coûte quand même 40€ et est très dispensable, mais c'est sympa. Vous voyez quand même qu'avec ces deux jeux, on a des bons petits produits pour fans. Et même pour des gens pas spécialement fans de Musclor, hein, ils peuvent se laisser tenter par ce style de jeu dans un univers sympathique, original et coloré. J'en ai fini avec les produits dérivés, j'espère que cela vous a plu, je vous donne rendez-vous pour la troisième partie de la rétro qui sera un peu plus dense puisque sera abordé le dessin animé et toutes ses suites. En attendant, allez voir la série et prenez soin de vous.